Notre dépendance au gaz russe pose des risques économiques, sociaux, écologiques et physiques à l'Europe. Cette phrase ne date pas d'hier, elle date de l'an 2000 et l'appel à sortir de cette dépendance via la diversification des sources d'approvisionnement et des obligations de stockage suffisants pour couvrir les besoins de la population et limiter la hausse des prix date donc de 22 ans. Voilà 22 ans que nous prétendons que nous agissons et que nous ne faisons rien. Nous y sommes enfin aujourd'hui avec le texte que nous adoptons. Sauf qu'entre-temps, Poutine a accédé au pouvoir et étendu avec notre contribution active l'emprise de Gazprom. Sauf qu'entre-temps, la crise climatique s'est accélérée et nous contraint à ne pas seulement sortir du gaz russe, mais à sortir au plus vite du gaz tout court. Alors il est heureux que l'Union se décide enfin à agir face à la terrible guerre que Poutine mène à l'Ukraine. Mais nous tirons aussi la sonnette d'alarme. Si les obligations de stockage que nous imposons nous enferment dans le gaz pour plusieurs décennies, alors nous violerons l'accord de Paris et nous causerons de nombreuses souffrances humaines. Alors pas de dépendance nouvelle aux énergies fossiles, mais le climat et la paix.